Nang's Reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour une autre vidéo hors du commun où nous allons découvrir des choses vraiment terribles. Vraiment terribles. Vous allez découvrir pourquoi on ne peut pas marcher avec n'importe qui. Pourquoi on ne peut pas coucher avec n'importe qui. Parce que dans ce monde, vraiment, il y a beaucoup de choses. Des choses que vous ne pouvez peut-être pas comprendre. Juste, faites attention. Vérifiez les états d'âme des gens avant d'entretenir une quelconque relation avec eux. Mes frères et sœurs, un homme a décidé de tout nous dire sur ce que les femmes sorcières, ce que les femmes serpents sont en train de faire là dehors. Hein? Ce sont des filles, hein? Des filles ou des femmes. Quand vous les approchez et que vous couchez avec elles, votre vie n'est plus la même. Votre vie n'est plus la même. Tout change en même temps. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, ce sont des initiés. Regardez! Les initiés, elles sont initiées à quoi? À la sirène des eaux. Mais où? Dans l'eau, ou que ce soit. C'est un truc hors du commun, ce que nous allons entendre ici. Mes frères et sœurs, c'est toi qui vas nous raconter des choses. Écoutons. Quand tu fréquentes les femmes qui reçoivent beaucoup d'hommes, il y a trois cas. Il y a des femmes qui sortent pour chercher leur vie. Elles ne sont pas initiées. Non. Elle est sortie, la vie est difficile pour elle. Elle couche avec des gens pour prendre de l'argent, pour sauver sa vie de demain. Il y a des filles qui rentrent dedans pour avoir des moyens, pour payer leurs études. Je ne justifie pas. Trouver de l'argent pour faire un commerce, pour ouvrir un business ou un truc. Trouver en tout cas de l'argent sexuellement pour se sauver de quelque chose. Tout ça, ça va. Mais, il y a des pays, sans citer leur nom, qui migrent de pays en pays pour faire la prostitution. Mais si je t'explique, tu vas prendre froid. Oh. Tu sais comment ça se passe? Oh. Ces femmes, en venant, ne viennent pas avec leur sexe féminin. Oh. Non. J'ai parlé en début du serpent. Oui. Elles viennent avec la gueule du serpent. Oh. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'est-ce que cela veut dire? En clair, elle nous dit qu'il y a certaines femmes qui font le travail du sexe et elles voyagent. Elles peuvent même voyager. Mais quand elles voyagent là, ne pensez pas qu'elles partent tout simplement, juste naturellement comme ça. Hein? Non, on nous dit que certaines femmes, certaines d'entre elles, sont préparées mystiquement. Et dans cette préparation-là, leur partie intime peut même être transformée en autre chose, comme ce qu'il est tenté de dire ici. Genre, tu peux te dire que, oh, voici une femme, tu es tenté de coucher avec une femme, alors que sa partie intime, en fait, c'est... Spirituellement parlant, c'est un serpent. C'est un serpent qu'on veut car au moins ça gueule comme ça. Ah! Seigneur. Hein? Non, non, non. Écoutons encore. Il y en a qui viennent avec le vagin de la chèvre. Waouh. Il y en a qui viennent avec le vagin du chien. Et de la chienne. Et tu sais ce qui se passe? Elles vont museler toutes les personnes qui passent à elle. Mmh. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? En clair, hein? C'est comme si ce monsieur venait de dire qu'elles vont prendre des choses qui sont dans les personnes qui vont coucher avec elles. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si toi, en toi, hein, Dieu a déposé beaucoup de bonnes énergies, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bénédictions, par exemple, elle, dès que tu vas toi-même aller coucher avec elle, ce qui va se passer, c'est que elle va aspirer toute ton énergie, toute ta force, toutes les bonnes choses que Dieu a mises en toi, elle va tout les aspirer juste par les rapports sexuels. Donc, c'est ce rôle-là que va jouer sa partie intime ou l'esprit, le démon qu'ils ont placé dans sa partie intime. Et toi, tu ne le sais pas. Et toi, tu ne le sais pas. C'est du hors du commun. Hein? Coucher avec une femme ou quelqu'un, ça devient maintenant très compliqué dans ce monde. Méfiez-vous. Écoutons. Puisqu'elles sont venues en mission d'une confrérie, d'une secte, d'un groupe, on leur dit, tu as droit à nous ramener 90 âmes. Donc 90 personnes. Elle vient au Burkina ou au Mali ou au Togo ou au Bénin. Elle vient dans un pays. Elle fait un an. Au bout d'un an, elle a fait 90 personnes. Quand elle retourne, ce n'est pas son vagin. On va l'enlever, le serpent, la bouche du serpent qu'on a mis en elle. Puisque quand vous rentrez, c'est dans le serpent que vous rentrez. Vous croyez que c'est le vagin de la femme? Arrivé, le serpent va vomir. Hein? Waouh! Waouh! Quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, genre, après que vous ayez couché avec elle, après qu'elle ait fait le tour du monde en bateau, ce qui va se passer, c'est qu'après, un rituel sera fait où ces gens mystiques qui l'ont envoyé en mission là, ils vont faire sortir le serpent. Et le serpent va maintenant vomir tout ce qu'il vous a pris. Tout ce qu'il vous a pris sur Dieu. Ah, ces choses sont réelles. Le monde est bizarre, le monde est mystique. L'empreinte de toutes ces personnes qui sont passées en elle. Où la chèvre va vomir, va accoucher tous ces enfants-là. Où la chienne va vomir tout ça. C'est ainsi que tu as certaines personnes qui tombent malades. Personne ne peut les guérir. L'âme est captée. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ne sont plus chez eux. Ils sont emprisonnés. Ceux qui veulent tuer, tuent. Ceux qui veulent se procurer de leur chance, usent les chances de ces personnes-là jusqu'à échéance finale. Ah, ça veut dire que les gens qui ont fait cette pratique mystique-là maintenant, ils vont prendre tout ce que le serpent-là a vomi et ils vont utiliser toutes ces choses pour lancer de mauvaises choses aux gens, voler des choses aux gens, voler la bénédiction des gens, il dit la chance des gens. Et jusqu'à ce que toute la chance de cette personne puisse finir. Maintenant, que va-t-il se passer avec cette personne? Va-t-elle mourir après? Ah! Les voleuses de bénédiction et les voleurs d'étoiles sont ici. Écoutons! Voilà des méfaits de la prostitution professionnelle. Chers téléspectateurs. Waouh! Mais waouh! Mais c'est waouh! Hein? C'est un truc hors du commun ce que nous venons d'entendre ou que nous sommes en train d'entendre. Le savez-vous? Le savez-vous? Mais écoutons encore! Cette orchestration que je viens de dire, aujourd'hui, elle est en train de devenir particulière. Les filles ne vont, les prostituées ne viennent plus dans les pays pour le faire, mais ce sont nos jeunes filles aujourd'hui qui vont s'initier. Elles vont s'initier pour capter les hommes. Elles vont faire laver leur vagin pour capter les hommes.
Il dit que, aïe, mais là même, c'est là maintenant, c'est une cave. Il dit que même, ce n'est plus les positifs professionnels seulement. Hein. Il dit que ce n'est plus les positifs professionnels seulement. Hein. Il y a aussi les jeunes filles du quartier, les jeunes filles à gauche et à droite, qui elles-mêmes vont chercher de tels pouvoirs, qui elles-mêmes vont s'initier pour pouvoir prendre des choses aux gens. Avant, on nous disait que quand vous couchez avec elle, elle prend votre semence, vos spermes pour partir, faire des trucs ou faire quelque chose. Mais maintenant, c'est devenu autre chose. Mais le mot est noir. Et les hommes aussi, il en existe. Hein? Ah. Oh, mais oui. Ah. Oui. Wow. Le serpent puiseur. La langue du serpent. La bouche du serpent est le vagin de la femme. La langue du serpent est le sexe de l'homme. Les gens qui fréquentent les... Ouais. 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 Ah, 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 ah. Waouh. Mais le monde est gâté. D'abord, il y a les sorcières qui existent. Les sorcières, là. Ce sont des filles qui ont livré leurs esprits à Satan. Et le diable les utilise pour faire de mauvaises choses seulement. Avoir de mauvais comportements seulement. Mais en plus de ça, d'autres encore vont augmenter leur pouvoir pour transformer leur partie intime en autre chose. Pour mettre des démons dans leur partie intime. Des démons qui sont là pour aspirer les énergies des gens. Des démons qui sont là pour prendre la bénédiction des gens juste. Par les rapports sexuels. Seigneur Jésus. C'est pourquoi on nous dit souvent, il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Et une fille que tu vois la première fois, tu ne peux pas coucher avec elle. Parce que vraiment, tu ne peux pas comprendre. Et quand vous rencontrez de telles filles, qui sont là d'ailleurs, en train de chercher à détruire la vie d'autrui, ce qui se passe, c'est que ces filles-là, elles seront les premières à se mettre au travers de votre chemin. Elles seront les premières à venir vous séduire. Elles ne seront même pas difficiles. Elles ne seront même pas difficiles. Parce qu'elles savent très bien ce qu'elles cherchent. Elles viennent de votre vie le matin. À midi, vous allez à l'hôtel. Avant 15h, elle a déjà fini à vous. Avant 15h, elle a déjà fini avec toute votre génération. Et elle part, hein. Elle continue sa mission comme ça. Hein? Elle s'en va. Hein? Détruit encore d'autres personnes. Détruit encore la vie d'autres personnes. Hein? Comment les gens peuvent-ils donner une mission à une vie? Ils peuvent dire, va dans tel pays, va coucher avec au moins 90 personnes. 90 personnes sérieux? Hein? Le diable ne joue pas. Attends, 90 personnes. Il te donne une mission à toi. Il dit il faut coucher avec 90 personnes. Parce que quand tu vas coucher avec 90 personnes, tu vas les soutirer quelque chose. Tu vas les prendre quelque chose. Ça veut dire vraiment, mes frères et soeurs, après, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un endroit où on peut jouer à Wallet. Si vous pensez que c'est pour vous faire plaisir, vraiment. Cherchez votre plaisir ailleurs maintenant. Cherchez votre plaisir ailleurs. Peut-être dans la nourriture ou dans d'autres choses. Hein. Sinon, hein. Allez là. C'est... Après, c'est seul. Hein. Ah. Faut faire très attention. Très attention. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ce jour, donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. J'ai pris beaucoup de temps avant de réaliser une vidéo parce que j'étais beaucoup occupé à travailler sur d'autres projets. D'autres projets qui vont aider la chaîne Yosobone à aller de l'avant. Donc vous aussi, vous pouvez nous soutenir comme vous pouvez. Vous pouvez nous soutenir en faisant des dons. Il y a YouTube Superfin. Si ça apparaît en dessous de cette vidéo, vous allez voir une icône de dollars. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez aussi faire des dons pour nous soutenir. Ça va nous aider beaucoup. Ou bien ceux qui veulent faire les dons par PayPal,
Un lien se trouve dans la description de cette vidéo, juste en bas de cette vidéo, description. Et vous pouvez également nous soutenir en laissant un j'aime, en partageant cette vidéo. Ça va aider même beaucoup de personnes aussi. Surtout que ce monde est devenu très très bizarre, très très mauvais, très très dangereux. Des pièges partout, les pièges par-ci. Je pense que vous devez nous donner de la force, hein, afin que nous puissions faire beaucoup de vidéos même de ce type, hein, afin de pouvoir amener les gens, sauver des vies. Et Dieu va vous bénir pour ça. Dieu va vous récompenser pour ça. Ça va votre travail aussi. Votre travail, parce que quand tu as voulu entrer au paradis, Dieu va te dire, ah mon ami, je vais te demander, mais toi, tu as fait quoi pour moi? Tu veux dire que, aïe, aïe, Dieu, il n'a pas fait grand chose, mais moi, il a fait ça là. Il a fait ce que Jésus m'a demandé. Et voilà, Dieu va beaucoup nous bénir encore. Bon, que Dieu vous bénisse, surtout. Soyez vigilants, ne négligez jamais nos conseils. Nous sommes là pour vous sauver la vie. Que Dieu veille sur nous. Waouh, c'est extraordinaire! Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. C'est sûr, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur... N'en sois pas là. Soyez prêts.